qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Kimobolangambo. Alléluia. Et pas y'a mon congé à la calisoumouté. Que Dieu nous bénisse, soyez bénis, les habitués de notre émission Ta Part. Je vous invite à rester là, devant vos écrans, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va aider une famille, une femme, un homme, une jeune sœur. Amen. Perdue dans la nature, avec tout ce qu'il y a comme problème sur la terre. Mais je crois que Jésus-Christ a une mission qu'il a reçue de son Père. Hein. Il est venu pour l'accomplir. Yes. J'aime bien l'Écriture quand la Bible nous démontre que à 12 ans, on ne nous a vraiment pas dit ce qu'il disait, mais on nous a quand même dit comment est-ce qu'il parlait. Alors, mais à 30 ans, je crois, quand il a commencé la mission, c'était, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il m'a oint pour. Yes. Et j'aime tout le pour qui vient après. Mais curieusement, le pour, là, on dérangeait les gens et on a mis Jésus dehors. Toi, tu as le pour de Dieu. Amen. Quand les autres seront dérangés de savoir que tu as tellement compris des choses, hein, c'est que balini ba bengana yo komi kangateko. Oui, mais c'est comme ce qui ba bengana nous apprend à bolam unayo. Amen. Oui, mais je te parle toi. Ah oui, tu dis bon d'accord, je commence par un petit bonjour. Ok, d'accord, ça aussi je sais. Bonjour et soyez bénis. Amen. Mais je crois que Quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce. C'était un bonheur. Je viens t'annoncer parce que l'année est encore vierge. Amen. Je viens t'annoncer, toi qui viens de tomber à peine aux apébos monibiso. Bien-aimé, l'année pour toi est encore vierge. Amen. Kobanganoé le côté. Amen. Kobanganoé le côté. Année sa vierge pour nous. Amen. Kobanganoé le côté. Alléluia bien. Amen. Oui, soyez bénis. Nous sommes en train de continuer avec ces grands thèmes qu'a donné le Saint-Esprit à témoin à la CP dans mon intérêt. C'est que j'ignore, mon Père le sait. Tu ignores tellement de choses et des fois tu es insultée dans le quartier et des fois tu es mal comprise parce qu'en fait les gens ne savent pas toujours. Mais ce que j'aime, ton Père vient maintenant te rassurer, c'est que toi tu ne sais pas. Ton Père le sait. Non, dis-le bien. Ton Père le sait. Oh, Dorcas, ton Père le sait. Yes. Ce que tu ignores, même pour ta destinée, ton Père le sait. Amen. J'aime trop ça. C'est un bonheur de le savoir. C'est un bonheur. Mais j'ai une surprise, depuis que j'ai rendez-vous. Amen. Ouais. Ils sont différents. Ouais, aujourd'hui c'est différent. Alors, na koti ka téléphone mouké, cinq minutes. Akoyen banena nuka kuna, ce que la libanda, na ibite soki boza combien? Bon laksanga nuka bozali hein? Bon laksanga ka bozali, t'as deux appels hein? Comme ça, azo yemba, azo sala entrée chaud, nanzembo. Mais avant to yamba yekas. Si tu es en accord avec moi, tu me fais juste un bip. C'est pas, tu ne peux pas faire un bip, tu n'as pas de crédit aujourd'hui. Ah ouais, tu n'as pas de crédit? D'accord, tu n'as pas de crédit. Les abonnés de Ta Part, vous n'avez pas de crédit? Ah, voilà, Merveille Congolo. Merveille Congolo vient de me dire qu'elle est connectée. Salut ma fille. Bon, Merveille, j'ai demandé d'appeler. Merveille, il faut appeler. Appelle. Comme ça, Nazo Kotsaï, oui, merci, c'est gentil. Un numéro privé, d'accord. Allô, soyez bénis. C'est moi qui viens de vous appeler. Oui, merci beaucoup. Oui. Je me nomme M. Enoch, je suis votre émission en direct. D'accord, merci beaucoup. Restez là parce que vous avez la surprise. Ngamoko naza surprise et Bino Pebozo, c'est la surprise. Surtout, ne zappez pas. Merci beaucoup. J'ai un autre numéro à chaud. Merci beaucoup de participer. Monsieur, j'ai oublié les noms. Tu peux couper? Merci.
Allô, soyez béni. Oui, allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Job Bila. Job Bila, enchanté. Vous appelez depuis d'où? J'appelle depuis la commune de Kin. Depuis la commune de Kin, moi, les a commune Nanga, les a fief Nanga. Bien sûr. Et aux amoutas, c'est qu'on a commune à qui nous amoutaka là? Comme on dit à qui? Moutatongo? Ça fait déjà 7 ans que je suis ici à Chili. Ben, tu n'es qu'un petit bébé de Kinshasa. Ben, écoute, you're welcome. C'est aux abambiaka et à Zonakin. Écoute, on va se rappeler comme ça, on va parler un peu de notre commune de Kinshasa. N'a pas si bande de connaissance à ta commune à Kinshasa. Mbote Nabino. Ça va, d'accord. Merci. Voilà, merci, j'avais besoin de ça. Ah! Qui encore? Ok, d'accord. Merveille Congolo. Allô, Merveille. Bonsoir, maman. Salut, salut. Comment tu vas? Je vais très bien. Et vous? Je vais très bien. Comment vous allez? Nous allons très bien. Nous sommes connectés. Ok, bah restez là parce que je vais vous présenter quelqu'un. Pasteur ne part pas. Non, Pasteur Christian, non, ne part pas. Pasteur Christian, non, reste là, Pasteur Christian. Non, c'est pas grave. Pasteur Christian n'est... Ok, d'accord. Ok, merci. Alors, bon. un peu d'espoir. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Parce qu'en fait, il faut dire que... Moutou, Azo, Bimasiko, Azo... Alors, ça, là, ça m'a quand même bien. Pour quelques minutes, sa mère, la défunte, elle était une sœur pour moi. Oui. Une sœur que j'ai beaucoup aimée... Non, l'obaté. Il y a cela qui m'a camoufoté Caracas. Pour moi, là, l'obacoute exact. N'allez qu'à y en a tout découvrir. Mais en tout cas, ils sont beaucoup spéciales. Téléphone à téléphone, téléphone à téléphone. Bon, peut-être un bas commentaire, Nabino. Et puis voilà, ensemble, nous recevons. Ensemble, nous allons recevoir. Oh mon Dieu, c'est un bonheur. Oh là là. Allez. Personne n'a pas fait. Bon découvrir, bon Zalaba Diego Kaukas. Oui, oui, ça se passe comme ça, l'émission t'a parlé. Allons-y, merci beaucoup de faire ton entrée. Maman Zalaki Kosongangaï n'a pas sinzo Kazalaki Nandelo. Ngaïna Ziolelo, yonde Mantonanga papa. Ngaïna Ziolelo, yonde Libiki Nanga papa. Ah, yeah, yeah. Ngaina yebi malamu o, yepe yebi nga malamu e. Sekuli watse pona papa ngaye onzambe o, ngapena yebi malamu e. Yepe yebi nga malamu e nga marie. Seko nga na papa e. Nous acclamons les seigneurs alors. Écoutez, vous avez compris. Vous avez compris, je nous ai dit que c'est une surprise. Parce qu'il faut dire que oui, depuis qu'elle est partie, nous sentons tous le vide de la sœur Marie Misamo. Alors voilà une, je dirais, est-ce que c'est une copie? Non. Marie, elle a su donner. Oui. Moi, j'aime Marie parce que Marie, elle a su donner. Ayebaki Kopé, ça. Parce que pour prendre quelque chose de quelqu'un, il faut oser la que. Ayebaki Kopé, c'est puis Ozoa Kiango. Donc, nous avons la sœur. Je suis la sœur Sandrine Kasongo Misamo. Donc, pourquoi Misamo? Parce que je faisais partie du groupe de la défunte sœur Marie Misamo, paix à son âme. Oui, paix à son âme, mais je crois que c'est un bonheur de voir les soucis ou les copies de ce qu'on peut laisser sur terre. Parce que très souvent, ce qui est Sarabungi, hein, au roman, on appelle Mouto, on appelle Nina et Bungi. Mais je crois qu'elle était tellement royale. Parce que pour que l'on ait Bima, même quand tu écoutes sa fille, comme elle s'appelle encore C'est Ruth. Ruth Misamo, tu sens que c'était une mère qui a su donner. Oui. Vous savez, Ebi, maman et ma lame, il faut pas copier. Yes. Yes. Oui, on ne prend de parents. Oui. Comme Paul insistait, il disait imitez donc ma foi. C'est-à-dire, tu vois, en dehors de ce qu'on peut imiter quelqu'un de son accoutrement, mais on imite aussi sa foi. Oui, oui. Alors là, je suis. Oui, oui, non, appelez, s'il vous plaît, je nous ai dit. Hein. Bon, Teddy Nsona, bonsoir, maman Galassi. Bon, Teddy, d'accord.
beaucoup ma paix mais pour binga quoi ça l'anga bien non les Congolais disent quoi bédé bédé et ça l'anga chez bébé chez bébé ça l'anga chez des bébés chez bébé chez et ça l'anga va bien. Et ça, oui. C'est exactement ce que je veux, qu'il y ait les chez Bédédin, tant mieux, mais bon, et ça, plaisir. Donc, je me suis en train de dire, oui, il y a aussi une vidéo qui est à côté. Il y a notre frère qui me dit, maman, c'est mon anniversaire, le 1er octobre. D'accord, ok. T'es dit, on a d'accord, ça marche. Bon, il y a des gens qui ont fait leur vidéo. Oui, d'accord. Donc voilà, nous avons aujourd'hui la sœur Sandrine Kasongo. Quand je la vois la première fois, je crois que Nalanda qui est dans l'émission, il y a papa Walesa. J'étais émerveillée. Et puis après, je crois que Nalanda qui est pas à Général Sony. Et j'étais par terre. J'étais par terre et il y a quelques jours, elle a suivi l'émission « Ta part ». Elle a réagi comme une bonne fille. Et puis quand je disais « C'est qui ?», elle m'a juste expliqué. J'ai dit « Non, mais je te reçois à chaud parce que je crois à la destinée. Moi, je crois à la destinée. Yes. Je crois qu'elle va faire carrière. Je crois, nous croyons qu'elle fera carrière parce que, écoute, ça veut dire que Marie, elle a fait une bonne sémence. Oui. Donc, voilà. Et si tu veux la contacter, elle va donner son numéro. Comme ça, elle va donner son numéro. Vous voulez la contacter pour l'appeler. Elle va venir chanter, elle va venir rendre ministère. Alors, elle va donner son numéro. Chawanaya. L'amour est plus fort que la haine. Mais l'amour est plus fort que la mort. Oui. Alors elle va nous fredonner ce très beau cantique. Tout l'andaï, hein. Après elle va donner son numéro. Benga, benga, yeko, benga, yete, pouna. Oh mon indéng, yete, benga, yako, salam, salam. Que le Seigneur nous bénisse. À toi le micro et la caméra. Merci beaucoup. Nzambalinga moto kole kanyonso. Nzambalinga moto kole kanyonso. Nzambalinga moto kole kawolo. Nzambalinga moto kole kabanjelu. Nzambalinga moto koleka nyoso Nzambalinga moto koleka nyoso salana sena moy Nzambalinga moto koleka nyoso Nzambalinga moto koleka nyoso Ne bandeli tango nzamba sala ki mokiloyo Asalaka nyoso na nzela ya liloba aloba mabele pe maye zali samaki zamba pe banzete zali samaki aloba kampole zala mpole zali samaki nzamba sala nyoso na nzela ya liloba kasi tangwe komaki pona kosala moto nzamba disposa tona ye alobi na sala moto ne lilingi na ngaye na pesa ye pe bon zambe na ngaye Asimba putulu na maboko asala moto na elilingi na ye nasima nango abakisi miso abakisi matoy yes abakisi pe mabakisi molimo haleluya ate bonzambe na kati ya moto nzambalinga moto koleka nyoso yango na boyi na boyi na boyi haleluya moto akabolanga na nzambe te solo na boyi baninga na boyi moto apeki sanga kolinga nzambe te so kolingi oye ba bolingo nzambe pona via moto olingi yo comprendre valeur nzamba pesaka na ama moto tanga Jonas 4 8 11 okoyeba bolingo nzambe pona via moto nzamba linga moto koleka nyoso
Maintenant, qui es-tu pour résister à ça? Dans les autres, nous avons mépris. Amen. 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 Ben, écoutez, est-ce que... On ne va pas bouger. Oh non, arrête d'être montée, maman. Mm. Toi, tu veux dire que tu... Non, ben, écoutez... Bon, je ne peux pas chanter ça. Nzambalinga moto kole kanyoso. Nzambalinga ngai kole kanyoso. Oh, j'aime trop cette chanson. Et nous attendons l'album. Nous allons la consommer. L'une des raisons, c'est une surprise, bien aimé. En tout cas, et croyez-moi, elle reviendra. On va papoter. On va généraliser un peu les choses parce que là, elle a une prestation. Elle va courir parce que oui, elle travaille. Elle va donner son numéro, n'est-ce pas, pour que Bobenga Bengaye. Tu veux revoir un peu notre sœur Marie Misamo, à qui sera spectacle, à qui sera ma solo, sera ce côté là-bas, à tout ça là-bas, bilou qu'on a eu. Donc, Azaki, pardon, il y a Marie, pardon, il y a Marie. Mais, oh là 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 là. En tout cas, elle était. Oh, je ne t'ai pas parlé de Marie. J'ai chaud au cœur. OK. Et donne-nous ton numéro comme ça. Ceux qui veulent la voir, vous voulez la voir dans votre église pour qu'elle vienne vous chanter cette chanson ou encore interpréter les chansons de la sœur Marie, pourquoi pas? Parce que c'est sa fille, vous le sentez, la coiffure, l'accoutrement. Et nous allons aussi l'aider, n'est-ce pas, à avancer de cette façon-là. Nous allons l'aider à avancer parce que nous sommes en train de croire que Marie a laissé quelque chose de puissant. Yes. Je dis merci et paix à ton âme, Marie, et reçois l'amour de notre cœur pour toi. Et moi, je l'ai fait parce que Marie, elle était trop bien avec moi. Oui. Merci beaucoup. Donnez votre numéro. C'est le 240, plus 243, bien. 82, 33, 57, 783. Reprends, s'il te plaît. Plus 243, oui. 82, 33, 57, 783. C'est le même numéro que j'utilise sur WhatsApp. C'est le même numéro auquel vous pouvez la recontacter sur WhatsApp. Bimakala nzamba salamoto kole kanyoso. Alors, bimana mokaka. Kusanga mbongo tuko zanga libalango. Oui. Yango e kabulanga na papateo. Esina komananga kondane na bolingo na yo. Nabi Mateo, papa Nayé. Non, Abima. Merci beaucoup. Là, Pasteur Estengala, si a fait sa part, Pascal, il y a le Bimate, quand on est à la caméra. Alors, le bien non, Bima, Bima. Merci beaucoup d'être venu, la sœur Sandrine Kasongo, Miss Amon. Nous sommes très bénis, n'est-ce pas? Les Alaki extraits, je crois que prochainement, qu'à cela ne tienne, si Dieu le veut, je vais la recevoir ici, dans Osala Plateau Mobimba. Qu'avec elle, elle est entrée, elle a fini le studio, elle est en train de faire les clips. Elle m'avait envoyé quelques extraits. Et t'oses croire qu'il y a Boitoroti Kate. La sœur Marie, elle était une battante. Je crois que les enfants ont besoin d'aide. Oui. Parce que leur maman a travaillé. Nous sommes jusqu'au jour en train de consommer, n'est-ce pas, oui, les chansons de Marie Misamo. Et pourquoi pas les aider. C'était, yes, une façon de moi, pour moi, n'est-ce pas, de contribuer, de participer na Evre O et Banzi. Et tout ça, c'est la misala qui toque et qu'on a mis les oeufs. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Où est le pasteur Christian? Où est le pasteur Christian? Oui, il va appeler pasteur Christian. OK, merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu ignores, ton père le sait. Tu vois ça? Oui. Je crois que certainement dans la vie, il y a des choses que la qui sauté dans le quartier, maman la qui sauté, il y a des enfants, il n'y a quand même pas qu'on se choyer le matin. Oui, il y a des enfants, 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 dire je t'aime à son frère. Mais ce que j'aime avec le Père Céleste, c'est parce que ce que je t'aime, si vous gardez, si vous m'aimez, je t'aime, hein? Si vous m'aimez, gardez mes paroles, gardez mes commandements. Ce que tu ignores, ton père le sait. Nous sommes dans notre thème, que Dieu vous bénisse. Amen. Un point fort, j'aimerais faire cette lecture. Il y a des familles ignorantes. Il y a des familles ignorantes qui ignorent votre avenir. Il y a des familles, au bout de la famille, on a besoin d'ignorance, il y a existence, il y a bana.
Au bout de la famille, mon coboy, personne ne peut vous parler de la destinée. Personne ne peut vous parler de la puissance. Personne ne peut vous parler de la richesse. Personne ne peut vous parler de la gloire. Mais Dieu sait. Amen. Comme Gédéon. On a parlé à Gédéon que les échecs. Il y a des familles. On les met la banane le lingé à Konginda. Dernier le basala Kambongo. Mais au commun la famille on a barrer sa cabane. Barrer sa cabane. Barrer sa cabane. Mais heureusement pour toi, heureusement pour moi, le Père le sait. Amen. C'est comme ça que quand il va trouver Gédéon en train de conique à foufou, de conique à foufou, il y a qu'au balolango parce que c'est aussi un travail assez difficile que Gédéon zaki ko ça là. Alors nous avons le dit, ah, tala, azo ignoré que c'était Néron. Azo ignoré que c'était Néron. Pourquoi? Tu t'es retrouvé au mauvais endroit. Et entouré de mauvaises personnes. Oui. Donc personne ne peut te dire que tu es une héroïne. Donc personne ne peut te dire que tu es une femme forte. Donc personne ne peut t'encourager pour ce que tu fais et pour ce que tu as. Il y a des familles comme ça. Et ce sont des familles qui tuent les destinées. Imaginez que Nzamba a quitté pour Gédéon. Je dois aller croire que Moussala n'a pas de Il y a Malonga. Nous sommes des héros dans le plan céleste. Oh Jésus. Même ou ta foufou, le plan familial, la famille, approchez-vous du Père. Yes. Oui, je parle à cette famille. Approchez-vous du Père. Yes. Demandez au Père qui sera ma fille. Moi, non, à bout, à cause de la nani. Moi, non, à cause de la nani. Comme cette femme que j'aime. Elle s'appelle Rebecca. Une femme qui est tombée enceinte. Et bien là, si nous sommes en train de faire que nous sommes en train de faire parce que nous ne sommes pas à perte. Oui. Nous sommes en train de faire que nous sommes en train parce que nous ne sommes pas à papa. Le papa dont je parle, ce n'est pas ton père, à Koufa, qui est dans le cimetière. Il est en train de faire que nous sommes en train de Ah, Olobi, on va nous lire. Non, non, je ne parle pas de ton père là qui est enterré ou encore de celui qui est en culotte dehors. Pendant qu'on est dans une émission, ta part, ton père est dans un ganda. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Ton père est dans un bureau en train de fredonner, je ne sais avec qui. Non, ici je parle du Père Dieu. Yes. Cette femme, j'aime beaucoup. Elle a reçu une grossesse de son mari. Ayoki bitumbe ba nous ningana kati ali bumunae. Elle a fait un pas vers Dieu. Yes. Un pas vers Dieu. Un pas vers le Père. Amen. On va lire à chaud le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 22 à 26. Merci, la sœur Dorcas, ma fille de foi. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. J'ai lu au notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Bien. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Bien. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. D'accord. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Bien. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimée, c'est une femme exceptionnelle. Oui. Parce que très souvent, Tolingaka, ebele ba maman Moussousou, a kendara plus nganga que pas Nzambe. Kokesou nzela anate. Et quand ça y est, ebele cela peut faire. Parce que tu t'es tellement confié au féticheur que ma kamou même yaba na ekoufa. Merci Saint-Esprit. Je suis au ami aux assises, dans le moment maman Abisso. Et maman Abisso a eu chance, il y a trois filles et trois garçons. Mais, tout ça qui m'a mis sous mi boulou, dans quatre mi boulou, il y avait moi. Moi, je suis la quatrième de la famille. Mais, manque, il y a que ça, la pas vers Dieu. Ma mère. Parce que nous avons dit nganga. Dans les nganga là-bas, je me rappelle, je dois avoir quel âge. Je devais avoir quel âge c'est à cette époque. Que je ne me trompe, que je ne m'abuse.
peut-être que je devais avoir 12 ans, 13 ans. On nous a emmenés chez un ganga, une dame ganga, à Christ-Roi, à Kassavubu. La dame, je me rappelle que tout le monde rentrait. Et comme il y a tout nanga, maman ganga lobi. Eh, à quoi est-ce que bébé c'est langa makambu? Eh, à quoi est-ce que bébé c'est langa makambu? Parce qu'on avait juste besoin de savoir pourquoi les moboulitismes là. Pourquoi j'étais moboulou? Eh? Mais tu vois cette femme, il y avait les mots boulou dans son ventre. C'était d'abord des enfants invisibles. Elle a fait un pas vers Dieu. Amen. Des fois, avec les mots boulou de tes enfants, toi tu penses qu'il faut qu'elle n'ait pas tata Diankou Kombo ou tata Puntu Puntu, je ne sais qui, comment il s'appelle. Tu crois qu'il faut aller dans le PV là-bas? Non, tu dois faire un pas vers Dieu. Amen. Et je me rappelle encore, nous sommes allés à Brazzaville. J'étais toute petite. On arrive quelque part parce que ma mère voulait. Je me rappelle à Nazaki Monamouké quand même, la commune à Kine. Bah, Kangelinga Landa, parce que j'étais trop mon boulot. Je suis restée seule dans la maison. Oh, je le reçois du Seigneur. Yes. Je suis restée seule dans la maison et ma mère m'a enfermée. Je suis restée après un moment, je vois une colombe qui rentre dans la maison. Mais il y avait un vent, il y avait du bruit. Seul moi entendu ça. Paca, paca, du bruit. Et cette colombe est rentrée dans la maison. Yes. Cette lumière a éclairé toute la maison. Et je voyais au mur une colombe, voilà, à Tchébo. Il y avait comme des chandeliers. Alors, dans ma papoune, il y avait les motos qui paient là. Il y avait les motos qui paient là, pou. Et il parlait en tout cas une langue que je n'ai jamais eu à interpréter jusqu'aujourd'hui. Alléluia bien. Amen. Alors, j'étais tellement effrayée de voir ça. Et cette lumière, je me rappelle que ça veut dire que c'était une forte lumière. Ce n'est pas la lumière qu'on a chez nous. Hein. Oh, inga, baraja, inga. Katukuna, baraja, inga. Vous avez vu la plus que baraja, inga. Amen. Comment ça? Yes. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. Vous avez déjà entendu la lumière de Dieu s'éteindre au courant, Katani? Non. Hein, le courant de l'eau, là, ou de l'estage. Come on. Oh, come on, talk to me. ou de l'estage. Non, et pas Nzambe, de l'estage, ils allaient rater. Non. Alors, j'étais tellement effrayée, je suis restée dans un coin. Et puis après, ma mère arrive. J'entendais le bruit des pas de ma mère, comme si c'était plus près de moi. Alors quand elle arrive, à côté de clé, nous avons une colombe, nous avons kende, azo bima, pou, et la colombe est partie. Maintenant, quand mes parents, ma mère rentre, à tout à mon yo-yo, j'ai pleuré, je ne pouvais pas expliquer ça. Et maintenant, je commençais à expliquer, je bégayais, j'avais tellement peur.
fait. Si ma mère aurait su que je serais une vedette en venir, à venir, elle allait juste comprendre que je n'ai pas de poteau, et que je n'ai pas de poteau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu vois, ce que tes parents aussi ignorent de toi, le Père le sait. Amen. C'est comme ça que quand le Seigneur m'appelle, quand il m'appelle pour répondre à la mission, avant que tu aies dit que tu étais destiné à ça. Maman, tu étais destiné à ça. Maman, papa, vous parlez beaucoup derrière vos chambres, dans vos chambres. Vous parlez beaucoup pour vos enfants. Mais vous avez dit que grande destinée. Beaucoup dans la chambre, vous avez la repentance. Vous avez papa, vous avez quitté. Vous avez ignoré à venir à Banao. Vous avez dit que et peut-être aussi, tu ne feras pas comme Jacob. Tu ne feras pas comme Jacob qui s'est levé contre son fils Joseph. S'il aurait su, Anaka Gangela Joseph T. Anaka Lobata Mone Nandota Lobi, Nakozala, Namoni Naza, Boye, Naza, Boye, Naza, Liko, Lobi no Bozana C, Anaka Loba, ah, donc c'est toi qui seras, c'est toi qui vas nous sauver. Mais regarde les papas là. Yolongo Loba, que toi tu viens dominer sur nous. Et Malamoko a incité peu à frère Nae, Baye Nae, Ba rejeté Ye. Les parents ont ignoré. Toi aussi, tu ignores. Tu ignores, n'est-ce pas? Hein, papa? Toi aussi, tu ignores. Tu veux que cet enfant-là attende la loulenge yo. Non, peut-être qu'il faut se risquer comme la mère de Moïse. Il faut se risquer comme la mère de Moïse. Tu prends l'enfant au Tcheye Nakitunga. Tikaye Akende. Tikaye Akende rencontrer sa destinée. Amen. Peut-être que tu veux garder cet enfant au Koboma Ye, au Koetoufe Ye. Ce qui nous a maillé, au Koboma Mwana Oyo. Oh, bien-aimé, l'ignorance tue. Oui. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas l'information. Bien-aimé, je nous signale. Avant la bande d'émission, ta part, j'ai appris. Et quand le Seigneur m'a donné le style, il me dit, voilà comment tu vas communiquer, voilà comment... Bien aimé, Naya Kawasala, t'es à traiter, excuse-moi. Je te parle de Dieu. Comme un peu Joss Meyer. Elle parle, elle vous fait rire, mais le message passe. Oui. Donc, vous voulez que je sois comment cintré? Lisons la parole de Dieu dans les livres de chapitre... Non, ça ne marche pas. Bon, je vais essayer un autre. Ézéchiel, chapitre... Tanesko, on a 45 minutes, on a zarana, on a dit, on a bon, on a dit, on a dit, non. Le Seigneur m'a donné le potentiel parce que lui, il savait ce que moi, j'ignorais. Peut-être de moi-même, je pouvais faire les choses autrement. Alors, s'il te plaît, papa, maman, ce que tu ignores de tes enfants, le Père le sait. Et le savoir, c'est un bonheur. Amen. Voilà où Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Est-ce que tu es ces parents qui veulent aujourd'hui, qu'autant n'a qu'à t'y penser en Zambé? Oui, tu dis peut-être que tu ne pries pas comment tu dois le faire. C'est simple. De la même manière que tu vas déposer un CV pour travailler. De la même manière que tu vas aller demander à quelqu'un de te donner un verre d'eau. De la même manière que tu vas... Surtout, nous avons un dragueur autour de nous. Tu es un beau dragueur, non? Donne-moi ton numéro. C'est de la même manière que tu peux aller chez Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi l'état de mes enfants, l'avenir de mes enfants. Dieu qui sait et Dieu qui t'aime, il te répondra. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Amen. C'est le message d'aujourd'hui. Il y a Samuel, j'ai combien de minutes? 5? Fini? D'accord. Donc, excusez-moi, bien-aimé, la télévision, c'est de l'argent. Des fois, on a tellement de choses à dire, on se rend compte que timing est qu'il n'a qu'à vitesse parce que c'est la télé. Je t'invite à venir nous aider parce que nous sommes en train de nous s'entraider, n'est-ce pas, pour ce grand travail que le Seigneur Dieu m'a confié. Alors, je t'en supplie, je te prie. Non, je t'en supplie pas, mais je te prie. Papa, tu as des moyens, tu peux nous appeler, les numéros de contact sont là. Appelez-nous, n'est-ce pas, pour parler et contribuer avec votre part. Nous vous aimons beaucoup moins Dorcas, on a fini de faire notre part et on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir appelé. Bonsoir.
tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Et pas à mon congé à la calissou.